intensément ce genre de moment, se laisser emporter par la foule. Rendez-vous dans un instant. Bonjour à toutes et à tous, les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes évidemment sont bien garnies, bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. La team Dada, comme d'habitude, vous retrouve pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. On retrouve tout de suite le championnat de France avec ce match de Ligue 1 Uber Eats. L'ambiance est déjà au maximum ici. Quel plaisir de vous retrouver pour ce match. Vous êtes quand même 50% de la team Dada. Mais il vous manque encore 1% pour être majoritaire. Hein, Kylian Mbappé. Ah oui, quelle intervention. Et le ballon qui est mis hors de danger. Et oui, si tu arrives à rentrer dans la tête de ton adversaire, c'est gagné. La défense éloigne le danger sur ce corner. Ça joue vers Joao Cancelo. Oh non, complètement raté ce centre. Et ça va donc en sortie directe. L'équipe locale, c'est l'attaque la moins efficace alors quand elle rencontre la meilleure défense. Là, forcément, on est un peu inquiet pour le spectacle. Mais c'est... Je coupe, c'est bien joué ça. Et ça heurte le montant, ça revient, c'est pas fini. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Hé hey, poteau, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux pas prendre un RTT? Partir en week-end pour le laisser prendre à l'avantage? Et la pression pour empêcher la relance. Et ici l'occasion pour mener. Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. Donc au tableau d'affichage. Oui, un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir. Ah, il résiste bien à la pression de la défense en attendant du renfort. Ouais, c'est bien fait ça. Ouh, c'est contré, in extremis. Kylian Mbappé. Bien parti dans le dos. Ballon vers Haaland. Oh oui! Ce but avec cette reprise de volée. Il y a tout. L'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Allez, bien joué, il efface son adversaire. Attention, voilà un bon duel. Le tir est puissant, mais le train est perdu. Il faut garder toute sa lucidité dans son genre de situation. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Le repos qui approche et tout va très bien pour l'équipe visiteuse. La situation est élevée. Très favorable. Il y a de la positivité, de l'énergie, de l'effervescence. Ces deux buts d'avance, c'est une magnifique récompense. La mi-temps donc sifflé par l'arbitre, tout le monde rentre. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Instant. Excellente intervention, ballon repris à l'adversaire. Sur le... avec de l'espace. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Araujo. Zinchenko. Et ça joue sur Vinicius. Ballon pour Gabriel Jesus. Gabriel Jesus avec le ballon. Gabriel Jesus. Et but, ça y est, c'est réussi, le doublé. Sa forme est éblouissante. Son efficacité insolente. Deux buts marqués. Et ce n'est pas fini. C'est reparti dans ce match avec les trois buts d'avance en faveur de l'Olympique Lyonnais.
Ah là là, ballon perdu sur cette passe mal assurée. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Valverde. C'est bien défendu et ça écarte le danger. Ah, le pressing pour empêcher la relance. Et prochainement, après ce match, on vous donne rendez-vous avec de la Ligue 1. Clermont affrontera Lille. On va voir. Ah oui, le bon ballon. Oh, c'est bien défendu. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Ouais, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Et il avance Vinicius. Et le face-à-face à venir. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, c'est fait 4 buts d'écart. Et voilà donc un nouveau but, encore plus KO l'adversaire, le match est quasiment plié. On a vu le prodige, la précision, la vitesse, il y avait de la générosité, de l'enthousiasme. On a vu le football dans son expression maximale. Ouais, ça presse bien. Le temps additionnel sera donc d'une minute minimum. Attention là, c'est Haaland. Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation. C'est le coup de sifflet final. Et pour l'Olympique Lyonnais, le plus important, ce sont les 3 points de la victoire.